Découverte macabre aux abords du Lez, deux cadavres éventrés ont été retrouvés par des promeneurs dans le bois de Chamaré. Des hurlements d'animaux féroces auraient été entendus. Dans la nuit, ce double crime s'inscrit dans une trop longue série de faits divers inexpliqués qui touchent la région depuis maintenant plus d'un an. La police a déployé plusieurs équipes sur place pour tenter de faire avancer l'enquête, mais le mystère semble tenace. Le préfet invite tous les citoyens à fermer leurs portes à clé et à communiquer toute information qui pourrait aider à y voir plus clair. Demain, le ciel sera couvert sur toute la région. L'homme était déjà au courant, il ne sait pas vraiment comment. Cette histoire, c'est la même à chaque fois. Le pauvre, il est fatigué de tout ça. Une photo de sa femme et de son enfant se remémore d'heureux moments. Et cet hiver qui n'en finit pas, il met son manteau et s'en va. Et la bête, je sais que tu m'entends. Et si on arrêtait de faire les enfants, toi et moi, on devrait faire cette pause. Ensemble, on construirait de grandes choses pour une fois. Ils ont dit au nord qu'il en soit ainsi. Il ira par les chemins raccourcis. Il ira jusqu'au lac, par le sentier des crêtes, là où les derniers ont aperçu la bête. Lui, il est de ceux qui cherchent sans relâche, qui savent quand les traces sont encore fraîches. Il n'aura qu'à suivre les branches cassées et la trouver près d'un rocher. L'apparence trompeuse et les gestes inchangés. La conscience a laissé place à l'instinct animal. L'état sauvage lui va si bien. Il aura le regard sombre de l'homme qui songe. Il aura les songes vains de l'homme qui sombre. Cette nuit, la bête a pris le dessus. Elle a mis le temps et tout ceci n'est qu'un début. Et la bête, je sais que tu m'entends. Et si on arrêtait de faire les enfants, toi et moi, on devrait faire cette pause. Ensemble, on construirait de grandes choses. Pour une fois, je sais que tu m'entends.